Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une ouverture de swap avec Marie, avec qui je vais assez souvent à Châteaudun faire Action et Nose. Nous avions décidé il y a un petit moment de faire un swap et donc nous avons enfin trouvé le temps de finaliser tout ça. Et donc je vais ouvrir son swap. Alors, il y a un méga carton. Donc il y a un carton, pardon, pour moi. Un carton pour ma fille. Donc, je vais essayer de vous montrer l'état du carton. Il est énorme. Donc, il y a voilà, choses, il y a un méga carton. Je vais essayer de vous bouger un petit peu. Excusez-moi pour le mal de mer. Alors, voilà. Donc, il y a un énorme carton. Il y a des espèces de confettis dedans. Voilà. De donc, ouais, il y a en plus super sympa. Ouais. C'est voilà. Je vous ramène. Donc, je vais sortir un petit peu tout ça pour mettre dans l'ordre et je vous retrouve pour l'ouverture. Alors voilà, on a préparé un petit peu pour essayer de gagner du temps. Voilà. Donc, enfin, je vais commencer par lire le menu, entre guillemets. Alors, tout d'abord, on va commencer par l'intrus de ce swap. Alors, en 1, Paris n'est pas à l'honneur pour une fois. Alors, je crois... Parce qu'on avait des... Donc, on s'était dit, on fait un swap, donc on essaye de faire des créations, voilà. Mais on avait dit, on ne fait pas de thème particulier. Donc, voilà. Alors déjà, avant quand même de commencer, je vois qu'il y a sa carte. Voilà. Ouais, je pense que nous allons être dans l'esprit un petit peu zen. Tout comme sa... Oups là, pardon. Tout comme sa carte. Donc là, elle a fait un kimono. C'est super sympa, ce papier, j'adore. Hein. C'est le bloc... Floral Fusion, il est juste magnifique. Et donc là, elle a écrit Zen. C'est bien écrit en plus, c'est vachement sympa. C'est un tamponnage. Voilà, je pense pas. Je pense que ça, c'est écrit à la main. C'est écrit à la main, mais c'est super sympa. Donc, je vais lire son petit message avant de commencer. Alors, oui, elle me dit que certaines créations manquent à l'appel. Bah, quand je vois tout ce que tu as fait, on avait dit on faisait soft. J'ai pas l'impression que tu aies fait soft, Marie. Hein? Alors, bon, merci beaucoup, Marie. C'est vraiment adorable. Alors, on va commencer... attendez, hop, je mets ça sur le côté. Donc, le numéro 1... Paris n'est pas à l'honneur pour une fois. Vous, alors, ce serait plutôt la chie... Voilà. C'est... Oh, c'est trop gentil. C'est trop gentil. Hein. Alors, ça fait longtemps que... Je me rappelle, on avait été à Nose ensemble et donc j'avais vu ça. Enfin, mais, non, non, tu le prends pas. Donc, j'avais compris. Merci, c'est trop sympa. La fleur de lys, ma fille adore les fleurs de lys. Ouais, c'est vrai qu'il est super beau. Même la couronne pour l'album d'Angleterre de mon fils, ça pourra me servir aussi. Ouais. C'est super sympa. Et donc, là, ces stickers, ceux-là, ils sont assez sympas. J'en ai aussi dans la même marque. Bah, je les ai sous les yeux. Voilà, les kokeshi comme ça. Ils sont assez sympas et les paillettes, elles tiennent bien en plus. Hein. Franchement, ils sont pas mal du tout. Hein. Merci beaucoup. Je suis en train de me demander où je vais poser les choses. Bon. Et en tout cas, ton papier cadeau, ouais. Vraiment, il est super beau. Le papier style un peu baroque, ouais. Effet pailleté, c'est vrai qu'il est Alors, très beau. Ça fait toujours plaisir de boire un petit thé. Boire quoi en numéro 2? Ah, ça doit être une tasse. J'allais dire un mug ou quelque chose comme ça. Ouais, moi, à chaque fois, je commence déjà à enlever le scotch comme ça. Ah, mais c'est bien ça, tu me prépares tout. Ouais. Alors, ouais, je pense que... Qu'est-ce que c'est? Non, c'est du thé. Bon, par contre, si c'est du thé, je ne vais pas forcément sentir grand-chose, étant donné que je suis enrhumée. J'ai un peu un nez de bœuf. Oh là là, c'est génial. En plus... Oh, ça sent. C'est vrai? Mais je ne sens pas grand-chose. On va voir si c'est fait ou si c'est le carton. Des fois, c'est le carton qui sent. Super sympa. Merci beaucoup, Marie. Et puis, je pense que la boîte... la boîte, une fois que le thé sera fini, elle est bien sympa aussi. Petite boîte à customiser, ça peut être cool aussi. Si j'ai offert du thé. Si, du thé dans une boîte en métal. Alors, en numéro 3, il faut bien le manger. Il faut manger n'importe quoi. Il faut bien le ranger maintenant. Il faut bien le ranger. Le ranger. Oui, le ranger. Non, mais après, si ça avait été lait, j'aurais pensé à ça. Ça ressemble à une boîte de thé aussi, ça. Oh, j'ai l'impression de sentir. Ah oui, j'ai l'impression de sentir. Oui, c'est des. Il y en a encore? Non, c'est mon swap. Donc là, c'est une boîte en métal. Et ben, ouais, ça me permettra de ranger du thé en vrac. Et regardez, et dedans, il y a les espèces de Scooby-Doo, je sais pas quoi. Dedans, il y a des bonbons. Alors, ils doivent sentir quand même très très fort parce que je le sens. Donc, Ah non, mais faudra que tu m'en passes. Oh là là, ça sent la framboise, la cerise ou je sais pas, quelque chose. Quand même, oui.
C'est super sympa, mais non, je vous le montre dans l'autre sens. Voilà. Merci Marie, c'est adorable. Alors attendez, numéro. On a fait le numéro 3. Oui. Oui. Maintenant on est au numéro 4. Arrêtons un peu de rigoler maintenant et buvons enfin ce thé. Et je ne sais pas ce que c'est, mais la boîte est énorme. Bah, je sais pas si c'est. Regardez-moi ça. C'est une boîte, mais. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. Et on avait dit pas de folie, Marie. Hein. Oui, en plus, là, je les vois sur le côté. Il y a plein de petits sachets comme ça. Il y a 4 sachets comme ça en organza avec des découpes asiatiques à l'intérieur. C'est très, très sympa. Je vais les poser sur le côté parce que sinon, j'ai peur que ça s'abîme un petit peu avec les... Regardez ça. C'est super. Oh, franchement, merci beaucoup, Marie. C'est vraiment... Waouh. Puis c'est des choses que je n'ai pas. Ça, pourtant, j'en ai des découpes asiatiques grâce à Fifi. Hein. C'est... Attends, il y en a encore un, je ne le vois plus. Ah ben oui, il est au-dessus. Oh là là, je vous dis, ça ne va plus. Et là, c'est super sympa. Ça, je les enlève parce que j'ai peur d'abîmer quelque chose. Je jette ma fille. Tu m'as avec du Eh mais sérieux. Ah mais non, mais c'est pas possible, ah, non, c'est trop beau. On avait dit pas de folie. Hein. Mais attends, là, je les vois. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Mais oui. Oh là là. Mais il faut même pas les utiliser. Oh bah si. Oh, regardez-moi ça. Elle est trop belle. On montre le dessus aussi, hein, là ici. Là. Il y a même là la couleur et tout. C'est trop sympa. Et pour aller avec, il y a le petit soude vert. Alors comme ça, vous mettez... Comme ça, avec la carpe. Quoi. Voilà. On met sur le dessus pour laisser infuser. Puis après, on... C'est trop beau. Ah, je crois que c'était pour mettre en dessous. Bah, tu peux après. Mais tu peux aussi le mettre comme ça. Ça bloque. Justement, pour laisser infuser quand c'est du thé en vrac, notamment. Ah, oh, bah c'est bon. C'est super joli. Et pareil pour là. Et là, ce que le dessus, c'est rouge. Eh, mais sérieux, là, t'es... Rouge, rouge. T'as fait des folies. Hein. On avait dit pas de c'est folie. C'est beau. Eh, c'est magnifique. J'adore. Alors ensuite... j'ai tout prévu, ne t'inquiète pas, tu peux t'essuyer le coin de la bouche. Je ne bave pas, s'il te plaît. Alors, ça va être une serviette, donc. Ah, ça va être des serviettes en papier. Ça va être des serviettes en papier. Oh la vache, comme elles sont belles. Oh, et mais t'as trouvé ça où? Regardez-moi ça. C'est magnifique. Attends, on est combien, là? En plus, il y en a plus. Okay. Et mais sérieux, mais j'ai jamais vu ça. Regardez-moi ça. Oh, trop beau. Oh, c'est... Ouais, t'as raison, finalement, je vais peut-être baver à force. Hein. Oh, c'est magnifique. Et je sais pas où tu les as trouvés, mais c'est une tuerie. Hein. C'est... Ah, les sushis. C'est trop bien. Oh là 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 là. Elles sont trop belles. Elles sont trop... Oh là là, elle est magnifique. Regarde l'éventail, comme il est beau. Puis ce qui est bien, c'est qu'elle... À chaque fois, il y a plusieurs modèles sur... Pas dans toutes, ouais, mais dans certaines. Mais c'est magnifique. Franchement, c'est waouh. Oh, celle-ci aussi, elle est belle. Et je sais pas où t'as trouvé ça, mais c'est une tuerie. Tu te répètes, maman. Ah ben ouais, non, mais là... Ouais, finalement, t'as raison, je bave. C'est trop beau. Après, ouais, on est vraiment dans le thème maintenant. On est dans l'Asie, hein. Alors, 6A. Donc, tu as de quoi noter, non? Oh, bah, je pense que je vais l'avoir. Non, j'avais quand même un petit peu. Incarné. Mais, Déborah dit incarné. Ouais, je pense aussi. Oh là là, c'est trop gentil. Oh là là. Alors là, on a... Oh là là, c'est trop mignon. On a donc le petit carnet donc, de chez Artemio avec les kokeshi. C'est trop gentil. Et là, donc, les kimidol. Là. C'est trop mignon. Je sais même pas si je vais oser les utiliser. C'est trop joli, quoi. C'est trop joli. Oh là là. Et mais franchement, t'as fait des folies. Hein. T'as fait des folies. Hein. Et pas de quoi écrire. Donc, je suis. Alors là, on a le 6B. Donc, Déborah a déjà commencé à enlever les. Oh. J'adore. Oh. Alors là, attends, je suis en retard, il est où le site? Mais je sais pas où t'es allée. Alors j'ai plein de paillettes par contre. Elle est allée à Tokyo. Moi, t'as fait un aller-retour vachement rapide quand même. Hein. Mais voilà, un stylo. Non mais sérieusement, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Donc j'en ai eu un là pendant le concours. C'est pas le même, c'est le même style, mais c'est pas le même. Il me semble pas que ce soit le même. J'ai pas souvenir qu'il était blanc.
Je sais pas, moi j'ai pas. Ah oui, t'as pas été là toute. Ouais, j'en ai. Oh, c'est trop gentil. Franchement, c'est. Alors, adorable. Numéro 7. Pardon. La patrouille, c'est super, mais on en met partout. On en met toujours partout avec nos pinceaux. Donc, ça doit être la patrouille. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ah non, 8 portées disparues. Ah. Alors, la boîte, j'aime bien, déjà, en plus. Oh. Et mais je vais pas survivre. Hein. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Donc là, avec le... Là, pour le maintenir, pour le... C'est trop beau. Oh. C'est du cloisonné, ouais. C'est trop beau. Sérieux. Ah non, mais j'adore. Oh, les couleurs en plus sont... Ah, j'adore. Ah, c'est... Et mais, non, mais je vais me répéter, mais là, c'est pas bien ce que t'as fait. Hein. C'est pas bien. Le 9. Ah, c'est ça. Alors, bon, ah. Je vous les ai présentés avant. Donc, le 9, donc elle me marque, le boulot a été fait pour toi. Petite pochette noire. Voilà, donc le 9, c'est toutes ces découpes. Donc, sur le thème de l'Asie que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est... Ouais, heureusement qu'il n'y avait pas de thème sur notre swap. Moi, j'ai pas fait de thème. Moi, j'ai fait en freestyle. Ensuite, alors, maintenant, à toi de bosser un peu. Ouais, bah, je vais essayer de faire des belles choses avec tout ça. Je te remercie vraiment beaucoup. Alors, le numéro 10, c'est comme un poisson, comme un dans, poisson l'eau. Dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau, qu'est-ce que ça peut être? Bah, moi, je pensais à un poisson, on fait une carpe. C'est un daï. Un daï carpe, je pense. Boum, deux daï. Ah bah non, bah c'est... tu vois, j'avais quand même raison. Non, on a le fond et bah, ensuite on a... Oui, oh là là, c'est... Alors, c'est marrant, il me fait penser à un poisson-chat. Alors, regarde... Oh là là, c'est trop gentil. Ouais, enfin, voilà, on a la découpe comme ça. Et on a là pour le contour. C'est super sympa. Merci, mais bon, tu sais que j'adore les dailles forcément, mais là, waouh, waouh. Ah, ce sera mon deuxième daï poisson. J'en ai eu un. Et là, c'est ce sera vraiment mes deux daï poissons. J'en ai pas. Hein. C'est super sympa. Merci beaucoup, mais tu fais fort. Alors, le numéro, donc c'est 11-12. Alors, en scrap, deux arbres asiatiques sont beaucoup utilisés. Un a de très belles fleurs et l'autre est très robuste. Bon, alors moi, je dirais le... Je sais pas si c'est considéré... Enfin, si, j'allais dire, je sais pas si c'est considéré comme un arbre. Pour moi, c'est la fleur de cerisier, le cerisier japonais et le bambou. Donc, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Alors, 11... Non, me dis pas que c'est des dailles. Toi... Je pense que... Mais c'est vrai que tu m'avais dit que tu avais fait une méga commande sur AliExpress. Oh là là, c'est trop beau. J'adore. Voilà, les fleurs de cerisier japonais, elles sont magnifiques. Bah, il n'y en a plus. Non, je viens d'ouvrir celui-là. Ah. Non, c'est parce que c'était le 11 et le 12. Et dans un... Oh, j'adore. Je veux... Alors, je crois, je ne suis pas sûre, mais je crois que j'ai eu une carte pour mon concours où ce die était utilisé. Je ne suis pas très sûre, mais je pense que c'était ce die-là qui avait été utilisé. C'est magnifique. Et donc, le 12, ça va être le bambou. Je ne me suis peut-être pas trompée, finalement. Alors, génial. Oh, j'adore. Tout ça, j'ai pas. C'est génial. Je te remercie. Voilà, on est sur le bambou. C'est trop top. C'est trop top. Mais, enfin... Là, c'est pas cool. Hein. T'as fait beaucoup, beaucoup, là. T'as fait beaucoup. Hein. C'était pas ça qui était prévu. Ensuite, numéro 13. À toi de la rendre la plus jolie possible. Alors, je sens quelque chose de rigide. Tu vas pas me dire que c'est... Non, attends, fais voir. Ben, j'ai bien peur que ce soit... Si, c'est un daï. La plus jolie possible, ce serait une geisha? Oh, c'est trop gentil. C'est un personnage, je pense que c'est le visage.
Parce que là, ça me fait. Je pense que c'est une tête de geisha, de kokeshi en tout cas. Je pense que là, ce sont les cheveux. Et donc, après, le visage, les différentes parties. Il va falloir que je regarde ça. Mais pour moi, voilà, là, c'est la chevelure. Et donc, pour faire le visage et faire le tour. C'est trop sympa. Il faudra j'aille voir un petit peu. Parce qu'il y a différents morceaux ou je ne sais pas. J'irai regarder ça sur internet. Merci beaucoup, Marie. Alors, 14, portée disparue. Excusez-moi. Je sais que tu en as trouvé un, mais vaut mieux en avoir deux qu'un seul. Alors, numéro 15. Ah, bah, numéro 15, il est. Oui. Ah, bah, oui, Déborah a commencé à ouvrir et je vois, c'est le même papier qu'elle a utilisé pour sa carte. C'est le bloc Floral Fusion. Je l'adore. Je l'adore, ce bloc. Il est magnifique. Il est trop magnifique. Et donc, pour sa carte, elle a utilisé. Oups, je ne sais pas si vous allez voir. Elle a utilisé ce papier-là pour faire sa carte, pour faire le kimono. Alors, le numéro 16. Quand il fait chaud, c'est bien utile. Tu pourras l'altérer. Alors, ça, je suis quasiment sûre que c'est un éventail. Et d'ailleurs, ma fille en a eu un. Oh, la boîte aussi, elle est mignonne. Oh là là. J'en ai un peu comme ça. Ah ouais, t'as un oiseau dedans. J'en ai un peu comme ça. Oh, il est trop. Ah oui, il est plus joli que le mien. Attends, je peux apporter l'autre pour. Ouais, vas-y, si tu. Oh là là, il est trop beau. Ah mais non, je vais pas l'altérer. Je vais le laisser comme ça. Ce serait un sacrilège. Il est trop beau. Regardez ça. J'adore. Et de l'autre côté, on a ça. Il est magnifique. Donc c'est assez en bois. C'est. Voilà. Attends, je montre le plus beau côté. Ah mais attends, ça me. Non, les dessins sont pas les mêmes. Moi, il est. Ouais. Voilà, je sais pas si on va bien voir. Moi, mais il est pas en couleur. Ça, c'est le mien. Mais c'est marrant parce que ça fait, ouais, ça fait un peu les mêmes. Ouais. Et ben, je préfère lui qu'il y a un oiseau. Bah, là aussi, il y a un oiseau. Ah bon? Bah ouais. Il y a deux dessins. Il y a d'un côté et de l'autre. Ah ouais, et c'est magnifique. C'est magnifique. On pourra mettre les deux ensemble. Là, il y a un pompon comme ça. Et là, c'est pareil. Ouais, là, j'ai un pompon. Et à mon avis, ça vient du même endroit, regarde. Et moi, ça fait. C'est le même. Ouais, mais je sais. Moi, ça fait des années que je l'ai, ça. Ah ça bon. Fait peut-être 20 ans que je l'ai, cet événement. Ouais. Franchement, c'est trop beau. Je te remercie, mais ouais, alors. Je l'altérerai pas. Honnêtement, j'y toucherai pas. Je le laisserai comme ça, c'est sûr. Numéro 17. Prêt à faire travailler tes ménages. Oh, ils sont pas en bon état, mes ménages, là. Prêt à faire travailler. Donc, visiblement, ça doit être un livre. Alors, attends. Oh, j'adore. Tiens. T'es trop gentille pour le 18. Alors. Je t'adore. Donc, oh là 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 là. Donc, oh, c'est super. Donc, à la fois du coloriage, des chiffres. Bon, il faudra vraiment que je le fasse avec les lunettes. Parce que sans les lunettes. Attends, je vais essayer de voir ce que ça fait. Sans les lunettes. Non, non, mais on verra après. Mais oh, c'est super sympa. Oh, il y a plein de choses. Là, il faut trouver le chemin. C'est un labyrinthe. Oh, ça, c'est trop bien, le labyrinthe. C'est super sympa. Voilà, ça aussi, à mettre en couleur. Oh, c'est trop gentil. Oh, merci. Alors, en plus, la couverture, elle est super beau. 18. Il ne peut pas rester comme ça, ce pauvre squatteur. Ça, c'est pour Squatty, ça. T'es trop gentil. Il va t'adorer. Oh. Alors... Il va avoir une souris, d'habitude il les mange. En plus, on en a retrouvé il n'y a pas longtemps. Non, c'est un loir, c'était pas une souris. C'est trop gentil. C'est trop gentil. Bon, on pourra pouvoir tester ça. Je sais pas ce qu'il va faire. Alors, ça, c'est sûr qu'il va le manger, ça, c'est clair et net. Il adore les friandises comme ça. De toute façon, moi, il est pas difficile. Il est pas difficile, il mange à peu près tout. Merci, c'est adorable. Alors, le 19, avec ou sans résine? Alors ça, je verrais bien des... Enfin, j'allais dire des apprêts, comme des cabochons ou des choses... Pas des cabochons, mais justement des supports où on peut mettre ou un cabochon ou avec de la résine. Je verrais bien des choses comme ça. Oh la vache. Oh, non, mais sérieux. Oh là là, non, mais c'est trop beau. Eh, sérieux, t'as fait des folies, là. Alors là, ce sont des breloques, enfin pas des breloques, mais des, enfin si on va dire des breloques, en éventail, il y en a 4. C'est trop joli. Et là, ce sont des petits kimonos, vous voyez, attendez, je vais en sortir un. Parce là, alors j'ai plein de paillettes, hein, je suis désolée, les taches noires que vous voyez dans ma main, et là un kimono. C'est super, mais j'ai, alors les éventails j'en ai déjà vu, mais les kimonos j'ai jamais vu, hein.
Sérieux, oh là là, mon Dieu. Ok, ça c'est bon aussi. Alors, le numéro 20. La mer est démontée, mais si belle. La mer est démontée, mais si belle. Je sais, mais je ne dirai pas. Je vois pas ce que c'est, moi. Oh là 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 là, un washi. C'est le même qu'elle veut faire fifi un peu. Alors, c'est un washi. Alors, ouais, celui-là, il est... il est, comment dire, donc ce sont des vagues dont Kanagawa. Oh, ça y est, enfin, bon, voilà, je sais plus, il n'y a pas le nom. Non, forcément, ils m'aideront pas. Non, il n'y a pas le nom. Donc là, ça fait penser donc à la vague. Ouais. Mais par contre, il y a du foil. Il est foilé. Moi, je suis folle et il est foilé. Non, je suis pas folle, mais je suis un peu malade et je crois que j'ai pas toutes les connexions. Il est super joli. Merci. Oh, allez, on voit là un petit peu le. Donc, je pense qu'en plus, il y a plusieurs couleurs, qu'il doit y avoir des alternances un petit peu de teintes au niveau du washi. Il est magnifique. Magnifique. 21 jolies fleurs que tu. Ouais, il y a plein de paillettes. Jolie fleur que tu pourras reproduire à l'infini. Ouais, ça c'est, je sais, c'est un moule. Oh, un moule, génial. Oh, il est trop beau. Alors, c'est pareil, ça fait fleur de cerisier. C'est super. Oh, je te remercie. Oh, j'adore. J'adore. Oh. Et on est vraiment dans le tamasi quand même, là, sur le swap. C'est vrai que pour le coup, de pas de... pas de thème. Alors, numéro 22. De si beaux monuments. Ah, ce serait bien un washi, ça c'est une boîte, ce serait bien un washi large. Oh la vache. Oh là là, mais comment c'est beau. Ouais. Ah mais attends, t'as pas fini. Oh là là, regardez-moi ça. Et mais sérieux, mais c'est magnifique. Ouais. J'avoue, quand j'ouvre, des fois je me spoil un peu. Mais bon, oh là là, c'est trop beau. Oh, j'adore. Ça me fait penser, j'ai une boîte, mes washi sont rangés tous ensemble, mais j'ai une boîte où j'ai tous les washi thèmes un petit peu asiatiques qui sont mis ensemble. Il est trop beau, franchement, mais je te remercie, mais là franchement t'as fait trop. Hein. 23, alors on a le 23, le 23B et des images en folie. Oh, ce serait bien, ouais. Oh la vache, il y en a deux boîtes en plus. Alors ça, ce sont des petites boîtes avec des images autocollantes. J'en ai déjà eu de ce style-là par Fifi. C'est juste magnifique. Donc là, on a à la fois... J'ai du mal avec mes doigts. On a à la fois donc dans cette boîte des images en forme carrée. On a un petit peu tous les styles. Oh, il faudrait que je fasse une carte avec... Enfin, j'ai des idées qui me passent en tête, excusez-moi. Et là, donc des images... Oh là là, c'est trop beau. Dans les formes rondes. Je ne sais pas si vous les voyez bien. C'est super joli. Et donc, il y a une autre boîte. Alors, il y a 46 images. 46 stickers, parce qu'en principe, ce sont des stickers dedans. C'est trop sympa. Bon, je vais l'ouvrir juste comme ça, mais on va peut-être pas les regarder tout en détail. Je regarderai ça après. Mais ouais, c'est pas le même. Oh là là, regardez ça. C'est trop beau, sérieux. Oh, c'est beau. Oh là 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 là. Je vais passer des heures à regarder après. Oh là là. C'est magnifique. Et mais t'as dévalisé, toi, mais là. En fait, il y a tout qui est sur le Japon, là. Ah ouais, ouais. C'est... Asie, alors, Japon. 23, donc là, c'est pas... 23B. Oh, 4 boîtes, je rêve. Donc, encore des images. Amy. Franchement, t'as fait des folies. Ouais. C'est... Parce que donc, il y en a encore et il y a un carton après pour ma fille. Oui, il y en a un pour moi et alors, moi, j'ai rien fait vraiment. Oh là là, elles sont belles. C'est... Oh, il y en a en forme triangulaire. C'est super. Oh là là, oui. C'est super sympa. Regardez. Je ne sais pas si vous les voyez. Oh là 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 là. J'adore. Là. C'est trop beau. C'est trop beau. Et là, encore des images. Oh, elles sont sympas. C'est pas du tout le même style. C'est super sympa. Ce qui est bien, c'est vraiment... Alors, il y a 4 boîtes, mais il y a 4 styles différents, quoi.
C'est trop mais sympa. C'est toujours sur le Japon. Ah bah c'est toujours sur l'Asie, ouais. C'est et c'est accroché, tu viens d'accrocher. Excusez-moi. Vu que je me colle, je vois un peu, j'imagine la réaction de maman. Alors, le 24, tu les aimes trop si on pouvait en coller partout. Je sais plus, là, je sais plus. Là, ça doit être des stickers. Oh, les peel-off. Tu mets sur l'Asie ? Oh la vache, oui, ils sont beaux. Ça fait combien de la vache ? Oh, j'en sais rien, mais c'est pas grave. Regardez-moi ça avec le pareil, le kimono et des éventails. Oh, en plus, il y a deux planches. Des grues, et mais sérieux. Mais ils sont trop beaux, je les ai. Et mais regarde. Non, bah non, puis j'en ai pas vu non plus de ça. Gardez l'arbre. Mais je pense qu'elle les a. Oh là là. Bon, ça va qu'il y en a plusieurs à chaque fois, mais j'oserais jamais les utiliser sinon. Regardez-moi ça, le dragon. Il y a un dragon ? Ouais, regarde ça. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais il est trop beau, le dragon. Mais sérieux. Hein. Mais je sais pas. Enfin, je pense que c'est sur AliExpress que t'as dû trouver des. Je sais pas, j'ai jamais regardé les. Oh là là, les peel-off sur AliExpress. Je vais peut-être vous le montrer dans le bon sens, ce serait peut-être mieux. Mais sérieux, c'est magnifique. Là, des coins. Oh, c'est sympa, ça aussi. Hein. Alors, attendez, je sais pas si vous les voyez parce que ça fait des reflets. Ça fait des coins comme pour les coins, un petit peu les coins photos ou les coins pour décorer sur des angles. C'est trop gentil. Hein. C'est vrai que j'adore les Le 25, alors, elles n'attendent que de belles créations pour les embellir. Qu'est-ce que t'as encore mis ? Ça va être des stickers, c'est quoi ? Oh là 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 là, mon Dieu. Alors ça, je pense que ce sont des stickers en feuilles de riz. Mais sérieux, c'est trop beau. Alors j'ai eu des stickers, enfin pas du tout dans ce style-là, mais dans le junk que m'a fait Poppy Marie, il y avait des stickers en papier de riz comme ça également. C'est apparemment ça, enfin c'est pas apparemment, j'en ai vu de coller sur sa création, c'est un super rendu. Hein. Et là, c'est pareil. Eh mais tout ce que t'as mis par contre depuis le début. Non, mais là, vous voyez pas, mais en fait, tout à côté. Bah là, vous voyez une petite partie juste ouais, ici. Ouais, je stocke. Mais c'est le truc, c'est énorme. Alors, je vous montre parce que je pense que c'est tous les modèles. Il y a plein de paillettes. Regardez toutes les paillettes qu'il y a. On voit plein de points noirs. Et sérieusement, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Eh mais là, je suis scotchée. Alors ça, j'ai jamais vu. Bon, c'est vrai que je pour l'instant, j'ai commandé, je crois, qu'une seule chose sur Ali. Attends. C'est trop beau, ça aussi. Je crois que j'ai commandé qu'une seule chose sur AliExpress, mais c'est vrai que je suis pas allée beaucoup sur ce site jusqu'à maintenant. Oh, mais c'est trop beau. Et j'ai jamais vu ça, mais c'est trop magnifique, quoi. Franchement, merci beaucoup. C'est... je sais plus. Pardon. Il y en a encore. Alors, 26, prête à en coller partout. Prête à en coller partout. Point d'interrogation. Ça va être des stickers, j'imagine. Ah, je dis pas, moi je sais. Oh, des Misty Gris, des Kokeshi. Attends. Oups. Ouais, il y a du scotch de coller là. Hein? Quand on parle du loup. Les Kokeshi. Il y en a. Non, mon téléphone n'est pas là. J'en ai une de coller derrière. Non, il est en charge. Oui, non, mais là, s'il est en charge. Oh là là, c'est trop gentil. Oh, génial. Mais il est à 100. Alors, ça, c'est pour mettre donc sur les mugs. Et alors ça, bah, j'avoue que j'avais... on avait eu un mug chez... Chez Action, où l'image était complètement partie. Et ben, je vais coller ça. Oui, voilà, j'ai la Kokeshi qui est sur mon téléphone tout le temps. Oh, c'est trop gentil. Hein. Ah, regardez ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Hein. Oh, c'est super. C'est super. Et là... Je vais mourir. C'est trop beau. Ça c'est pareil. Je crois que je dois l'avoir celle-ci. Je suis pas sûre, mais il me semble que je l'ai trouvée il n'y a pas très très longtemps. Je sais plus. Enfin, elle me parle celle-ci parce que l'oiseau, tout ça me parle. C'est super sympa. Franchement, merci. Et enfin, pour finir, et heureusement parce que alors, sinon... munis-toi de ta mousse 3D. Ah non! Il y en a encore un autre après. Attends. Je l'ai pas vu. 28. Oui, parce que ça s'arrête au 27, là. Alors, munis-toi. Donc ça doit être des feuilles de 3D, j'imagine. Alors, attends. Vas-y, enlève parce que je vois rien. Oh là 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 là. Ouais, c'est ça que j'ai vu tout à l'heure. Ah ouais, mais alors, moi, je tombe sur celle-ci en premier. Oh, ce sont des... Oh, ils sont magnifiques. Ce sont des stickers. Attendez, je sais pas comment vous les montrer.
C'est superbe. Et là, on a le tigre, le dragon, la grue. Ça, c'est... Je pense, je sais pas, ça ressemble à une mésange, je sais pas, je suis pas sûre. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh, sérieux, je suis... Oh là là, elles sont belles. Ouais. Oh, regardez-moi ça. Regardez-elle. Ouais, elle est super belle. Et celle du bas aussi. C'est trop joli. En plus, il y a un mini éventail. Et il y a des éventails, et sur les images, il n'y en a pas, donc c'est ça qui est bien. Alors là, elle marque, et voilà, c'est déjà fini, j'espère que ça t'a plu. Alors, bon, déjà, c'est bien fini, visiblement, puisqu'il y a un 28. Et alors, est-ce que ça m'a plu? Comment te dire? Plus que ça, ça va être quand même assez difficile, quoi. C'est juste... Je l'ai vu tout à l'heure, en plus. Tu l'as pas déjà? Ça me rappelle quelque chose, oui, celui-là. Oui, si, celui-là. Je ne sais pas si tous sont les mêmes. Celui-là, je ne sais plus. Mais j'ai une planche où j'ai la même. J'ai lui. Ça, j'en ai un. C'est celui-là où j'ai un... Ça, qui me fait douter. C'est parce que... Voilà, celui-là, je ne sais pas. Faudra que je regarde. C'est... Sérieux, c'est trop. Non, mais... Alors, on avait dit pas de thème. Assurément, on t'a fait tous dans le même thème. Il n'y a pas de souci, c'est clair que ça me plaît. C'est top. Mais on avait dit de faire soft. Et franchement, t'as pas fait soft du tout, là. Il y en a de partout. C'est juste hallucinant. C'est hallucinant. Franchement, Marie, merci énormément. Voilà, je suis sans voix. Je vais laisser la place à Déborah. C'est elle qui va ouvrir. Ah oui, c'est... Et oui, parce que donc là, il y avait pour moi et il y a aussi un carton pour ma fille. Oui. Alors, comment dire que tu as fait des folies? Je range tout ça et je vais laisser la place à Déborah pour qu'elle ouvre son swap. Mais Marie, merci. Alors, voilà. Donc là, c'est le carton pour Déborah. Donc, le carton, c'est le carton de la machine. Donc, vous voyez un petit peu la grandeur. Voilà. Donc là, bon, c'est pareil. On va mettre sur le côté et puis, comme ça, elle va ouvrir les choses au fur et à mesure. Tu fais comme moi, tu déballes le scotch, enfin t'enlèves le scotch comme ça. Oui, je vais jouer ton assistance. On échange les rôles. Alors tiens, il y a encore des confettis. Ouais, il y a encore plein de confettis. Encore tout ça, mais en plus elles sont super mignonnes. Allez, celui-là j'ai pas déballé, tu le fais. Ouais. Donc là, en plus, regardez, il a un super beau pop silicone. Hein. C'est vraiment. Et mais sérieux, il y en a trois. Mais je sais pas où je vais les faire ça par contre. Une licorne en papier mâché. Mais c'est super beau. C'est magnifique. Attendez. Là, je passe à... Voilà. Elle est super belle. Oh, c'est trop gentil. C'est trop gentil. C'est quoi? Je pense que c'est une... c'est une sucette, une sucette, ouais. Une grosse sucette licorne. Donc là, on voit... Attendez. On voit par rapport à la paume de ma main. Ça fait toute la paume. C'est super joli. Oh, c'est trop bon. Oh. Ah, elle m'avait dit qu'elle avait fait une carte comme ça. C'est vrai. Elle me l'a dit. Montre, montre. Regardez. Elle a fait une carte, donc elle a fait les oreilles... recule un petit peu, voilà, qu'on la voie en entier comme ça. Elle a fait les oreilles de la licorne en papier, et là, c'est avec du... Comment? Ça s'appelle comment déjà le truc un peu... c'est un papier un peu, voilà. Et là, elle a mis des petites fleurs, elle a dessiné des yeux à la main, je pense. Ouais, elle à la est main. Super sympa, elle ta carte. Elle a mis des petites traces, elle est super mignonne. Ouais. C'est vraiment... Ah non, c'est pas que tu me l'avais dit, c'est que je l'ai vu dans une de tes vidéos que tu disais. Elle a dit que je dois sortir tous les petits colis du carton et les ranger par ordre de taille. C'est fait, alors maintenant tu peux les ouvrir en partant du plus petit. Amuse-toi bien, bisous bisous. Ah oui, on a déjà commencé à en ouvrir un, nous. Oui, alors attends, on va retrier ça. Alors, on vient de sortir tous les paquets du carton pour les classer un petit peu par taille, mais sérieusement, t'en as mis 3 tonnes. Ouais, et quand je dis 3 là, tonnes, c'est vraiment pas exagéré. Non, mais c'est un truc de fou quand même. Donc, Déborah va commencer à déballer et on va quand même essayer de faire vite pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps tout de même. Mais, elle m'a mis une bague comme ça, donc
noire, un peu pailletée. La caméra, j'ai l'impression que ça fait vert. Mais elle est noire, pailletée, elle est super belle. Bah, je vais pas la mettre maintenant parce que le temps qu'on enlève et tout, après ça va faire trop long. Mais en tout cas, merci, c'est super sympa. Puis... Ah oui, non, d'accord. En plus, c'est les bagues magiques, c'est en gros, ça change de couleur en selon l'humeur. Ouais. Elle a mis un dye bourriquet. C'est trop gentil. Mais non, mais là, franchement, et Marie, t'as fait, voilà quoi, c'est trop de folie là. Alors, attends, je vais prendre le papier. Voilà. Mais c'est super beau ce que t'as mis déjà. Je vais mettre ça là. Non, pas là. Ici. Ah, c'est là, je m'en rappelle. C'est une perforatrice. Elle est toute petite, là, vous voyez. Elle est vraiment petite. C'est une patte de chien. C'est trop bien. Et ouais. C'est trop gentil, merci. Moi, je t'ai rien fait. Oh là là, mais c'est pas vrai. Mais t'es folle. Elle a mis des stickers Winnie l'ourson, donc là, avec Tigrou en bas. Et elle en a mis un autre avec le kangourou, là. Ah, c'est celui-là qu'on n'a jamais trouvé, nous, ici. Ouais, c'est... Ouais, quelqu'un nous en avait envoyé une plaque, je crois, mais nous, on les a jamais trouvés. Hein. Ouais, nous, et pourtant, je sais que je cherchais, hein. Je fouillais les bacs, mais j'ai jamais trouvé. Attends, c'est quoi? Me dis pas que c'est des perforatrices. C'est quoi, ça? On dirait limite un pet shop. C'est un chien, comme ça. Ah oui, si je le regarde à l'envers, forcément, ça va être compliqué. Tiens, bah, au pire, je vais le montrer maintenant. Alors, je vais vous les montrer pendant qu'elle déballe. Là, un cœur. Là, un petit chien, je pense. Ça me fait penser au pet shop. Je sais pas si j'ai raison. Oui, ça me fait penser au petit chien pet shop. Là. Et là, une espèce de chenille. Alors, voilà, je suis pas très sûre, mais voilà. Ça fait fourmise. Ouais. Et là, le cœur. Ils sont trop beaux. Elle m'a mis des stickers donc sur l'équitation avec un cheval, une bombe, une brosse, un fer à cheval, un seau et un saut d'obstacle. Et mais ça en plus ça va m'inspirer parce que là je suis dans les slèches, les trucs comme ça. Ça va me permettre de faire des trucs, le saut et tout, ça c'est là j'ai des inspirations là. Merci Marie. Doublement merci. Hein. Enfin, même là, ce serait plus que doublement merci pour tous les trucs. C'est énorme. Oh là 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 là. C'est super beau. Ah non. C'est super beau. Elle m'a mis le carnet cheval. En plus, c'est un cheval noir. C'est trop beau. Elle m'a mis un petit... Oh, c'est mignon, ça. Un carnet mandala. Et ça, c'est trop bien quand on prend le train ou voilà, quand je vais chez mes grands-parents, voilà. Ouais, ça, c'est petit, ça se transporte facilement. Ouais. Et c'est super bien, moi j'aime beaucoup. Oh là là. Regardez-moi celle-là en plus. Oh, c'est trop mignon. Merci vraiment. Oh là là. Ah, c'est pour fabriquer une peluche un peu licorne. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une peluche. Oh. En tout cas, c'est pour fabriquer une peluche... Enfin, une licorne, voilà. Oh, tu vas y arriver. Ouais, il marque là, fabrique ta licorne en feutre. À mon avis, c'est de la feutrine. Hein. Ouais, mais c'est super sympa, c'est waouh. Oh ah oui, c'est sympa. Non, oui, merci. Pas comme ça. Désolée. Là, elle a mis des licornes comme ça. Alors, il y en a une rouge en dessous, et je le sais parce qu'on m'en avait déjà envoyé. Je crois que c'était pour le concours, le deuxième concours, si je me rappelle bien. Vraiment, c'est super gentil. Oh ! Ah, ça, je me rappelle, j'en ai eu à mon anniversaire quand j'étais toute petite. C'est là où on voit, il y a une licorne derrière. Il y a des numéros, et en fait, les numéros correspondent aux strass. Et on doit les mettre dessus. C'est super bien, ça. Je les avais tous eus, mais moi, c'était des grands formats en carton et tout. Ouais, c'était de la mousse, là, c'est avec des strass. Ouais. Ah, j'en ai pas vu, c'est des stickers en plus.
Je sais pas si tu m'as vu, mais on voit le tour là et c'est des stickers. Regarde. C'est des stickers où tu colles même sur les stickers d'autres stickers. D'accord. Ouais, tu colles les strass sur les stickers, sur les emplacements, voilà, mais c'est des stickers. Ouais, c'est super bien. Ok. Je connaissais pas. Enfin, je les ai, j'ai jamais vu. Hein, je sais pas. Non, moi non plus. Je sais pas où t'as fait toutes ces trouvailles, mais. Oh, moi non plus. Attends, tiens, je mets ça là. Elle a mis un kit de. Donc, c'est de pâte polymère. T'es trop près, Léo. C'est un kit de pâte polymère pour faire une licorne. Et c'est super gentil, c'est super bien. C'est... Merci. Merci. Je suis pas sûre que ce soit de la pâte polymère, ma cocotte. Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'est de la pâte en coma. C'est de la pâte à modeler. Elle sèche, elle doit sécher, je pense, à l'air libre. Ah, oh, bah c'est encore mieux. Ouais, de l'argile. Ouais. Non, mon... ouais, c'est une pâte à modeler. C'est pas de la. Je pense pas que ce soit de la. Acryl, bah, hein. Pâte à modeler. En gros, on fait une. Oh là là. Elle a mis un tableau comme ça, donc à peindre, une licorne avec arc-en-ciel et fée. C'est super mignon. Hop, puis avec la licorne, elle a un petit trèfle à quatre feuilles. Et bah, c'est avec ça, ça la te porte pas chance. Hein. Ouais. Oh, non, non. Et mais rien que le temps à faire tous les paquets, c'est de la folie, ouais. Quoi. Ouais, puis c'est de... Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Doucement. Merci. Elle a mis des trucs comme ça pour chipper, donc aux carottes. On a déjà au yaourt et au miel, mais nous, c'est une vraie teigne pour manger. Elle est vraiment... elle est chiante. Voilà. On n'a pas peur des mots. Elle est chiante. Et à la carotte, je pense, parce que je demandais à maman et tout, elle m'a fait non, il faut déjà qu'elle mange les celles qu'elle a. Et là, bah, tu les as pris. Oh là là, c'est trop bien. J'ai trop hâte de les faire goûter à Chippy. Oh, ça va être trop bien. Elle a mis des bâtonnets là, colorés là. Des petits bâtons. Bah, ouvre-le ouais. Complètement. Des bâtons comme ça en bois. En plus là, je suis vraiment dans les créas. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis dans les slèches. Je suis dans les créas, j'utilise plein de bâtons et tout. Et elle a mis 5 paquets de bâtons en bois colorés. En plus, hyper long de les peindre. Oh, le focus. Ouais, mais tu vas trop vite et tu te mets trop près. En plus, les peindre des bâtons, c'est hyper long parce que j'ai fait l'expérience. C'est hyper long et là, je sais pas faire. Pas que tu te mettes trop près, Déborah, ouais. Sinon ça se voit pas. Oh, elle m'a mis des stickers chats. T'es trop comme près. Ça. Donc avec les yeux, voilà, qui partent un peu dans tous les sens. Elle m'a mis les chats et elle m'a mis les chiens. Avec des bulldogs et des carlins. C'est tellement mignon. Avec les petites dents là et tout. Ah ouais, non mais moi j'adore, je suis fan, c'est trop mignon. Attends, je te mets ça là. Oh, elle m'a mis les trois. Elle m'a mis donc les trois pour. Donc là, voilà, c'est feutrine pour fabriquer soi-même. Un chat ou un tigre. Non, un chat, un cochon et une vache en porte-monnaie. Elle m'a mis les trois. C'est super gentil. Regarde. C'est trop Attends, bien, je vais merci. Les mettre par là pour libérer de la place. Et ben en tout cas, j'aurai de quoi m'occuper. Oh, oh, c'est moi moche et méchant. Tu reconnais le logo. Nail art. Ah, je... oui, je vois le marqué derrière, nail art. C'est du vernis à ongles et une lime. Moi moche et méchant. Avec la petite licorne, là, sur... Oh là là. Trop de choses. Que ce soit pour Déborah ou pour moi, quoi. C'est quoi, ça? Maman, oh, j'avais la caméra. Il y avait des plumes un peu comme ça. Donc, c'est un stylo, en fait, où on met les mines, comme ça. Et en fait, là, on va voir avec le dessin. Ça fait un peu des vagues et tout. Et il y avait des pubs où ça faisait des points un peu. C'était pixelo, je crois. Enfin, un truc un peu dans ce genre-là. Et c'était trop bien. Oh là là. Parce que ça... Donc, en fait, ça fonctionne à pile. Ouais, à pile. Et en fait, ça fait des ronds. D'accord. Donc, ça. Visiblement, ça doit vibrer, ça doit faire des ronds. Ouais. Et donc, ça fait des dessins un petit peu particuliers. En fait, c'est comme si on dessinait normalement, sauf voilà. Que c'est l'appareil qui fait un peu tout le travail, j'ai envie de dire, tous les bah, ronds. Disons, et tu le guides, mais après, ça fait des formes. Ok, je ne connais pas du tout. Bah, moi, j'avais vu des pubs de ça, mais c'était avec des points. Ça faisait des points, ça faisait pas des ronds. Elle a mis des stickers pattes de chien. Elle a vraiment, il y a vraiment plein. C'est super gentil. Dis pas, j'en peux plus. Oh,
Alors ça, on m'a offert un tapis de souris comme ça. Alors ça, je le savais parce que une fois on était, ouais, parce qu'on était avec Anos, avec Marie, et je l'ai vu et je l'ai pris. Elle fait, ah non, hein, je l'ai déjà pris pour Déborah pour le swap, et j'ai dit ok, je le planque. Donc moi je l'ai aussi, je l'avais pris aussi. Ah c'est trop gentil. C'est super sympa. Les stickers sont vraiment très très beaux. Oui, ils sont ouais. Oh, merci. Oh. Il y a une petite confetti qui s'est logée. Oh ben oui, il y en a de partout des confettis. Hein. Oui. Tchoum 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 tchoum. Oh là, oh là, oh là, on se calme. Je sais pas ce que c'est, mais c'est tchoum tchoum. Et même entre, ce serait bien plutôt que de tester. Je crois que c'est du papier. Et là, en fait, c'est avec... donc là, on voit Mickey. Oh, on voit Briquet. Donc là, il y a Mickey et il y a... c'est là. Il y a les ficelles et en fait, je crois que c'est des trucs qu'on accroche. Et là, on dirait du papier, des enveloppes, ou je sais pas trop quoi. Ben, lis, ça doit être marqué, hein. Bah oui, mais c'est marqué en anglais. Tous. Alors, c'est deux feuilles. Hein. Deux papiers cadeaux. Deux feuilles de papier cadeau. Ouais, des feuilles de papier cadeau, tsum tsum. C'est tellement beau. Oh, c'est lourd. C'est quoi? J'en sais rien, tu l'ouvres. On dirait, enfin, je sais pas, mais la forme, même le plastique, là, parce que j'ai... Une figurine? Non, une perforatrice. Mmh. Non, mais Nadia, elle est balèze. C'en est une. Oh et mais sérieusement, t'as fait des folies, quoi. C'est... Elle m'a mis une autre perforatrice patte de chien avec un cœur. Non, mais... En plus, là, on voit derrière le modèle, elle embosse. En gros, là, c'est là où ça découpe le tour. À l'intérieur, ça embosse et ça découpe le petit cœur. Ouais. Waouh. Je sais même plus quoi dire. Ouais, c'est... Oh mais c'est les stickers de chez Action, là, les licornes. Hop là, attention. Là. J'aime beaucoup ces licornes-là avec le gros nez et tout, là. Je trouve ça trop mignon. Je sais, je suis bizarre, j'aime bien les gros nez. J'aime bien les gros nez. Alors, si t'aimes les gros nez. Ouais, je sais. Oh, je crois que c'est les trucs à gratter. Ça fait des folies, hein. Oh, ouais, c'est ça. C'est des feuilles où en fait on gratte. Donc là on voit le motif, on gratte et après ça. Donc au niveau du blanc, et après ça fait doré. Enfin, ça fait doré ou ça fait plein d'autres là. Donc il y a trois feuilles dedans. Donc là je suppose qu'il y a le chien. Ouais, il y a derrière. Donc là, il y a le chien, il y a un colibri. Comme tu montres, Déborah. Il y a un chien, un colibri et un pot de fleurs. Oh, c'est super bien. Oh là là. Et là, il en reste encore. Donc, il reste celui qu'elle ouvre, plus un autre. Non, mais c'est vraiment un truc de fou. Oh non, c'est pas le même qu'on a. Non, moi, j'en ai un comme ça. Il est couché. Ouais, celui, moi, c'est un poulain couché que j'ai. Et là... C'est super sympa. Voilà. Attends, mets plus bas. T'as tendance à mettre trop haut et on voit pas assez les choses, Déborah. Un petit poney avec son poulain. C'est super mignon. Bon, ben, il y aura de quoi les occuper. Enfin, il y aura de quoi l'occuper les jours de pluie. Ah non, c'est mais là, c'est pas que les jours de pluie, là, c'est les jours, là, c'est... Tiens, il reste celui-ci. Voilà. C'est super. Et le dernier. Je sais plus quoi dire, non, mais c'est juste une... Ouais. Ça y est, un bug. Non mais montre. Alors c'est un coffret un peu. Donc bah, là scrap, voyez, y a... scrapbook. C'est ouais, un livre de. Donc là il y a du ruban. Là on a une espèce de ruban mais avec des petites perles. Petite guirlande de perles. Ouais, petite guirlande de perles. Là on a des petits embellissements des straps. Et là voilà. Donc là. Eh bah dis donc. Il y a des reflets, je ne sais pas si vous voyez bien. Bah tu sais, tu devrais peut-être lever un petit peu quand même. Voilà, il devrait y avoir... Oh, ah oui, il devrait y avoir moins de reflets.
Donc là. Parce que là, voilà, c'était pour. Attends, pose-le, pose-le, pose-le. Voilà, parce que là, c'est un livre. C'est un album. C'est un livre de scrap pour faire ses pages. Voilà. Et c'est. Et en plus, oui, il peut s'enlever. Ouais. Là, il s'enlève, t'as la petite pochette, donc après, tu peux ranger des feuilles. Voilà. Et là, attends, donc, de ce côté-là, il y avait le livre, et de ce côté-là, il y a un petit peu tous les accessoires, les stickers, des cadres, il y a plein d'embellissements pour qu'elle puisse faire son livre de scrap. Mmh. C'est trop sympa, franchement. Ouais, je sais même pas quoi dire, quoi. Enfin, là, vous voyez pas, mais tout autour, c'est rempli, quoi. C'est tellement gentil, c'est vraiment... Merci, merci et encore merci. Enfin, c'est... De toute façon, je ne le dirai jamais assez. Alors Marie, franchement, là, c'est juste hallucinant. On devait faire un truc un petit peu soft. J'appellerai plus ça soft, hein, comme je dis depuis le début. Mais c'est voilà, c'est énormissime tout ce que tu as mis, tout ce que tu as... C'est, enfin voilà, je suis sans voix. Déborah, je pense que c'est pareil. Ah bah, la perforatrice, ça y est, là, je crois qu'elle est amoureuse. Hein. Voilà, non, c'est hallucinant tout ce que tu as mis. On te remercie, mais alors énormément. Voilà, ouais. Merci beaucoup encore, merci mille fois. Merci pour Chippy, merci pour Squatty, merci pour tout. Moi, pour maman. Enfin, vraiment, gros merci. Bisous et merci à vous également d'avoir regardé cette vidéo. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Mille merci, Marie, encore. Ouais, ciao, merci. Ciao. Au revoir.